Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats de la Japan Expo. Je vous ai demandé si ça vous intéressait ou pas parce que j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais vous avez été nombreux à me dire oui. Donc je vous la fais là, aujourd'hui, ce soir, à 1h30 du matin. Je suis allée à la Japan Expo hier, aujourd'hui j'ai travaillé et je travaille demain. Il fallait absolument que je vous le filme aujourd'hui. Parce que demain je vois Auréloche et je vais acheter des petits cadeaux. Mais du coup je voulais absolument vous montrer ce que j'ai pris. Parce que c'est trop beau, c'est trop mignon et c'est trop cool. Donc comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai pas fait énormément d'achats. Voici mes sacs. Voilà, je suis restée raisonnable et j'ai fait des cadeaux d'anniversaire en même temps. Donc ça c'est cool. Par quoi on commence? On va commencer par ça. Je suis allée chez Kazé. J'ai fait un tour chez Kazé et je me suis pris deux mangas. Donc c'est un tome 1 et un tome 2. Le tome 2 était en exclusivité à la Japan Expo. Et là c'est du... Ah, j'ai des extraits aussi que je vais vous montrer vite fait. Je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Bim! De Shake Me Up, c'est par l'auteur de Happy Marriage. Happy Marriage que j'ai adoré. J'adore ses dessins et j'ai lu d'autres mangas, plusieurs autres mangas de cet auteur là. Et en général, j'aime beaucoup. Et là, je viens de voir que c'est une série en 7 tomes. Comme je vous ai dit, j'ai pris des extraits. Vous savez, à chaque stand, il y a des extraits mais qui sont très vite dévalisés. Et ce que j'ai pu trouver, j'ai pris ce qui m'intéressait pas, j'ai pas pris. J'ai pris ce catalogue de mangas. Hop, je passe vraiment rapide. Ah oui, j'ai pas eu le temps de passer Doki Doki. J'aurais voulu feuilleter 50 nuances de gras. Moi, j'ai pris l'extrait et ça a l'air cool. J'ai pris quoi? Celui-ci. J'espère que vous voyez bien. J'ai pris ça parce que je vois partout. Et ça. Et j'ai eu un marque-page. Black Clover. Hop, et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai eu un billet de Takaneana, billet que j'ai déjà. Du coup, ça m'en fait un de plus. Et j'ai une petite carte comme ça de Let's Get Married que j'ai mis en pause. J'attends que tout sorte pour me lire tout d'un coup parce que ça me saoule d'attendre un an pour avoir 5 mangas. Voilà. J'aime bien lire tout d'un coup. Et c'est tout ce que j'ai à vous présenter sur le stand de Kazé. Ouais. Ensuite, toujours au niveau manga. Et ensuite, j'ai pris des trucs de créateurs, etc. Hop. Je suis passée. Alors, j'adore. J'adorais ce stand. Village Shoujo. Le stand, il est tout rose, tout mignon. Je vous ai fait une story sur Instagram. Et c'est trop mignon. Tout donne envie et tout. C'était dans ce petit sac-là. Tatatat. Et je me suis pris 4 mangas. Et je n'ai pris que des tomes 1. En ce moment, je regarde pas en fait ce qui sort au niveau des nouveautés et tout. Avant, je regardais beaucoup et je craquais énormément. Et c'est pour ça aussi que je vous faisais beaucoup de haul manga. J'avais toujours des choses à vous présenter et je lisais beaucoup. Là, je lis beaucoup moins parce que j'avais laissé de côté mes romans, etc. Et là, c'est ce que je lis un peu. Je lis le plus, on va dire. Et c'est vrai que les mangas, j'en lis un de temps en temps. Mais voilà, j'ai des périodes. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion de se faire plaisir. Et en même temps, je regardais les nouveautés directement sur le stand. J'ai pris celui-ci. La couverture est jolie. Je ne sais pas si vous voyez sur le titre, il y a des petits reflets. Vous voyez, sur le poisson, c'est trop cool. J'adore. Ça donne très envie de lire ça, genre dans le bain. J'adore. Il faut que je reprenne Amanchu, je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai laissé de côté. Ensuite, j'ai pris celui-ci de la couverture. Elle est toute mignonne. C'est Honey comme Honey. Legendary Love. J'aime bien les couvertures. J'aime bien les couvertures colorées, vous le savez. Et j'ai pris celui-ci. J'étais pas sûre de le prendre, mais je me suis dit, allez, soyons fous, on va tester. On va tester le tome 1. Et j'aime bien les dessins. Voilà. Moi, quand je choisis, en fait, avant même de voir de quoi ça parle ou quoi, je regarde les dessins. Si les dessins, ils me plaisent pas, je peux pas. C'est comme la fille au chat. Je crois que c'est la fille au chat. La fille avec les chats, là. Et bah, leur couverture,
La couverture des mangas, en fait, me donne tellement, tellement envie. Mais quand je regarde les dessins, ça me donne tellement, tellement pas envie que bah, du coup, bah, j'achète pas. J'ai eu, du coup, des petits goodies et des posters. Ouais. Du coup, j'ai eu des pins, oups, en rapport avec les mangas que j'ai pris. J'ai eu ces trois-là. Et j'ai eu les posters. Je vous les montre rapidement. Ah bah c'est ça, la fille. Ah c'est ça, la fille au temple au chat. Ça me donne trop envie. Mais quand je regarde les dessins, ça me donne... J'ai peur de pas accrocher. Mais quand vous voyez les couvertures et tout, ça donne trop trop envie. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Ouais. Ça a l'air vraiment cool, mais les dessins, ouais, c'est ça qui me bloque. Derrière, vous avez celui-ci. Et trop mignon. Et derrière, vous avez celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être deviné sur quel stand je suis passée, parce que j'ai filmé les stands où j'ai acheté, en fait. Et je pense que vous connaissez Wistful. Je pense qu'elle est quand même assez connue. J'avais déjà fait une commande quelques années maintenant sur son Facebook, je crois. Parce que je l'avais loupé à la Japan Expo. J'avais essayé de la chercher et je ne l'avais pas trouvée. J'étais avec Auréloche, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Et voilà, j'avais commandé des marque-pages. J'avais fait des pins, des miroirs, des posters en plusieurs tailles, etc. C'est vraiment super sympa ce qu'elle fait. Donc, j'ai pris... Pour moi, attendez, juste pour moi, j'ai pris qu'une chose. Et ensuite, c'est pour Auréloche. Ouais. Donc, pour moi, je me suis pris ce marque-page-là. Et c'est un marque-page sorcière. Il y en avait plusieurs. Et celle-là, je la trouvais vraiment super mimi. Vous l'avez en mat, genre classique, ou vous l'avez en pailleté. Le pailleté, c'est cool. Genre qui brille, je vais vous montrer après. Pas pailleté, mais qui brille. Le brillant, c'est cool, mais... Parfois, ça éclaircit les couleurs. Ça devient, les couleurs sont moins vives. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai demandé en fait à l'avoir avec pas les paillettes, mais les brillants là. Et j'ai préféré du coup la carte, le marque-page simple comme ça. Donc, je me suis pris ça pour moi. Juste ça sur le stand. Et j'ai pris pour ma petite Auréloche. Vu que je la vois demain, je vais tout lui donner demain. Du coup, je pourrais poster cette vidéo sans problème. J'ai pris la même parce que... Parce que c'est vraiment la plus jolie, je trouve. Voilà, elle était toute jolie, mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'étais pas sûre sur ce coup-là, mais je la trouvais très jolie. Enfin, moi, j'adore Anastasia. Si elle aime pas, je la prendrai pour moi, mais vous voyez, là, il y a l'effet qui est brillant. Vous voyez, ça brille, il y a des étoiles et tout. J'adore. Il y avait trois Anastasia. Bon, là, c'est Anastasia. Après, il y avait Anya, vous savez. Et il y avait quand elle est en robe, sa robe jaune là et tout. Mais celle-là, j'aime beaucoup parce qu'elle a sa boîte à musique avec son collier. Qui dit quoi déjà? Truc à Paris. Ensemble à Paris, un truc comme ça. J'adore. Anastasia, j'adore. Je l'ai regardée beaucoup de fois. J'adore les chansons. J'écoute toujours encore. Enfin bref. Ensuite, ça, je suis sûre qu'elle l'aime. Je crois que c'est une de ses princesses préférées. Ariel. Avec Polochon, donc là vous avez la version brillante, ici c'est la version matte. Et j'ai pris Clochette parce qu'elle est fan de Clochette. Hop, voilà. Et encore pour Auréloche, je lui ai pris des broches, des pins. On va dire que c'est des pins. Hein. J'ai pris dans les Aristochats, j'ai pris Marie. Je pense qu'elle aime bien. Je lui ai pris celui-ci, je suis sûre qu'elle va adorer. Elle va aimer, elle est fan de Maléfique. Et je lui ai pris Polochon, je le trouvais trop mignon. Ensuite, je suis passée sur ce stand-là. Si vous avez vu mes stories sur Instagram, peut-être que ça vous dit quelque chose. Elle n'est pas française, elle est peut-être anglaise ou je sais pas. Mais en tout cas... elle faisait plein de trucs super cool et c'est le genre de trucs que je regarde sur Instagram. Que j'aime beaucoup et que j'aurais aimé avoir une petite image de ce genre-là. Bah, j'ai trouvé ça là-bas. Il y en avait plein, mais tout était différent. Mais je trouve que celui-ci, ça... Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est plus genre...
dessin crayon, je sais pas comment dire, pas genre peinture ou sur tablette ou quoi. Et c'est ça que j'ai aimé. Je sais pas si je m'explique très très bien. Et j'aimais bien les couleurs pastel et très colorées en même temps. Et j'ai trouvé ça sur ce stand là. Je vous la montre. Il y a peut-être des petits reflets avec le plastique. Et franchement, si j'aurais eu le temps d'aller sur le stand encore une fois, j'aurais pris, je pense, encore une ou deux petites cartes. Enfin, petites, elle est grande. J'en aurais repris une ou deux. Parce que ouais, c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et mon premier coup de cœur, on va dire, c'était celle-ci. Je la trouve vraiment super mignonne. Et je cherchais vraiment ce style-là. J'ai vraiment fait tous les stands. J'ai même dit avec les personnes avec qui j'étais, allez-y, allez faire votre tour. Moi, je vais rôder dans les stands parce que sinon, ça va être ennuyeux pour vous. Du coup, je vous montre l'artiste. C'est... Voilà. Vous voyez mon petit Kremlin? Les informations, son Instagram, son Facebook, etc. Je suis pas encore allée sur son Insta, mais je vais y aller faire un petit tour. Et j'aime bien en fait prendre les cartes de visite parce que ça peut faire des jolis marque-pages. Hop, ça c'est qui ça? Ah oui, je suis passée sur un stand aussi. Je vous parle vite fait de ça. Elle faisait des posters. C'était 12 €, le grand poster. Et j'avais kiffé sur un des posters et c'est celui-ci qui est sur sa carte de visite. Vous voyez ou pas? Dans le voyage de Chihiro. Et là, vous voyez Chihiro et Kwaku. Ici, je vous donne hop, toutes les infos de l'artiste. Comme ça, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc, c'est parti pour... Alors, que je vous raconte l'histoire, du coup. Je suis passée sur le stand de Nashi. Nashi, c'est un compte Instagram à la base que je suis depuis pas mal de temps. Et je craque à chaque fois pour ses dessins parce que c'est hyper, vous allez voir, c'est hyper hyper coloré, c'est hyper mignon et j'aime beaucoup beaucoup. Il me semble qu'elle n'avait pas encore de boutique pour vendre, etc. Et il me semblait que j'avais cherché, enfin bref, en tout cas je voulais me procurer ses créations. Et ce qui se passe, c'est que j'ai atterri par hasard sur le stand de Wishful. Et j'avais regardé et tout ça, puis je suis passée à l'autre stand. Et j'ai commencé à regarder ce stand, je me suis dit, mais c'est hyper chelou, genre, est-ce que ça a été genre photocopié pour la revente et tout, alors qu'il n'y a même pas le créateur de ces dessins-là. Et en fait, si, elle était vraiment là, en fait, la créatrice, et j'étais super contente, j'étais super contente. Et j'étais hyper, 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 hyper excitée. Et je suis restée un petit moment devant le stand... voilà, à me décider de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. À l'heure actuelle, il y a des trucs que je me dis j'aurais dû prendre, genre réponse, si vous avez vu dans les stories, réponse très très belle, que j'aurais voulu prendre. En tout cas, je me suis pris des trucs pour moi, des trucs pour Auréloche aussi. Donc, c'est parti pour Auréloche, déjà. Voilà, ça va être un peu plus rapide. Qu'est-ce que je lui ai pris? Vous allez voir, c'est magnifique. Allez voir son compte Instagram. C'est trop beau, j'adore. Donc, pour ma petite Auréloche, j'ai pris cette carte-là. De Hermione, grande fan d'Harry Potter. Moi, j'aime Harry Potter, mais alors, elle, là, oh, c'est loin devant moi. J'ai pris Harry Potter en poster comme ça, le grand. Il est grand, mais pas trop grand. C'est une feuille A4, ça, non? Je pense que oui. Voilà, je trouvais plutôt jolie. Je pense qu'elle va aimer. J'espère qu'elle va aimer. Et je lui ai pris, j'ai pris Ariel avec Polochon et puis lui, je sais plus comment il s'appelle. Mais me dites pas que genre c'est moche, enfin, putain ça pète quoi, moi j'adore, c'est trop beau, c'est trop, trop beau, j'adore. Voilà, ça c'est pour Auréloche, on passe à moi maintenant. Alors, je commence par les petites cartes. Allez, c'est parti. J'aurais dû prendre un petit carte réponse. Je ne l'ai pas pris. Mais j'aurais dû parce qu'elle était vraiment belle. J'ai pris Belle. Vous avez Big Ben et Lumière. J'espère que vous voyez bien. J'ai pris Baby. Trop mignon. Je l'aime trop. Mais vous voyez les couleurs? J'adore.
et on tisse à la mèche. J'adore. C'est trop trop beau. Et j'ai pris celle-ci aussi pour Franck, j'allais oublier de vous la montrer, que j'ai trouvé super cool. J'hésitais à la prendre en grand ou en petit, mais voilà, j'ai pris un petit card, comme ça je me suis dit, il peut aussi l'utiliser en marque-page, puisqu'en plus, en ce moment, c'est ce qu'il lit. Ensuite, on passe des plus grands formats. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Elle voit des fantômes. Hein. Niveau poster, regardez-moi ça. Regardez, regardez. Alors, ce Pokémon-là, c'est... Je m'en fiche un peu, à vrai dire. Mais c'est tout ce qu'il fait, quoi. Sa couleur, plus la confiture de blueberry. Toutes les couleurs, là, font que c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est trop magnifique. Je sais pas c'est qui, comment il s'appelle, lui. Mais voilà. Oh là là, avec le petit pot de confiture, là. Bien violet, rose, bleu. Ce mélange de couleurs, j'adore. Je suis trop fan. J'aime trop, trop, trop. Ensuite, alors, le premier truc que j'ai vu sur le stand et que j'ai craqué, je me suis dit, ça c'est sûr que je vais le prendre, c'est Yoshi. Trop mignon. Regardez, trop, trop, trop mignon. Super coloré, comme d'hab. Hein. J'aime trop. Petit champi là. Ici. Non, j'adore. J'aime trop, trop, trop. Et j'en ai pris un dernier. Et après, c'est fini. J'aurais trop voulu en prendre plus. J'ai pris, obligé, Mario. J'aime trop. Vous avez tout en plus. Vous avez les champis, vous avez le fantôme là. Vous avez... Enfin, il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Et je trouve ça trop beau. Je trouve ça magnifique. Donc, je vais trouver un endroit où les accrocher parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et du coup, elle m'a donné un cadeau, un petit sticker, et elle m'a donné ça. C'est comme un petit marque-page en fait, où il y a toutes ses infos là, son Instagram et tout ça. YouTube, ah oui, ah bon, je savais pas. Je vais aller voir ça tout de suite après. Et ça, c'est quoi déjà? Je prends des cartes des fois, mais je sais pas, je sais plus. J'avais pris cette carte sur un stand. Si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux, moi je vais aller voir ce que c'est, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est tout pour mes achats de la Japan Expo. Vous voyez, j'étais assez raisonnable, mais j'ai pris quand même des choses qui me plaisaient beaucoup, beaucoup. J'ai quand même un petit regret au niveau de ce stand, j'aurais voulu avoir peut-être plus de choses, mais c'est vrai que il faut savoir se freiner parce que sinon, il n'y a plus de limite. Et si vous demandez c'est qui derrière moi, c'est ma petite Lily. C'est la fille, une des filles de ma petite Juju. Si vous vous rappelez, si vous êtes là depuis longtemps, vous avez connu Hilton et ma petite Juju. Et ça, c'est c'est la fille de Hilton et Juju. Et du coup, elle est restée en fait avec ma sœur. Ma sœur qui est en Martinique là pendant 3 semaines. Du coup, c'est moi qui la garde. Oh là là, elle est fatiguée là, ma petite puce. Mon bébé. En tout cas, j'espère que ce haul vous a plu. Ça fait une petite coupure par rapport au vlog du Cambodge. Le Cambodge est bientôt terminé. Et du coup, je pense qu'il y aura de nouvelles petites vidéos comme ça, des hauls ou des vlogs à la maison. Mais les vlogs voyage vont bientôt reprendre puisque je pars dans 3 mois, je pars pour une nouvelle destination. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!